Bonjour à tous les amis, on se retrouve sur une partie de Fishing Clash. Donc c'est un jeu de pêche gratuit, il est vraiment excellent, ça vous connaissez bien ce jeu. Du coup le but c'est de rester la barre bien au milieu pour faire à la fois des combos et faire perdre de l'HP au poisson pour pouvoir le pêcher. Donc on y va sur une première prise, un Vivano d'Anchien. Très bien, nouveau poisson qu'on n'avait pas en collection. Et vous dans le jeu Fishing Clash, est-ce que vous avez des poissons rares? Essayez de nous dire un petit peu quelles ont été vos plus belles prises dans ce jeu. Donc dans les commentaires, vous pouvez dire un peu voilà, si vous avez bien avancé, si vous avez du rare, et dire un petit peu ce que vous avez récolté. Donc là, ça nous dit un super butin. Alors déjà, il est bien bien gros. Donc il pèse 1,85 kg. Donc voilà, c'est un record parce qu'il est gros, mais au niveau de la rareté, c'est pas un poisson rare. C'est pas grave. Allez, on va retenter une nouvelle fois de lancer la ligne dans l'eau. Hop. Et donc, on est en train de pêcher bien au calme sur une très, très, très belle plage un petit peu paradisiaque. Ça donne envie de passer ses vacances là-bas, hein, franchement. Là, je pense que... Oh là ! Oh, c'est gros, ça ! C'est très, très gros. On dirait un requin. C'est un émissole. Bah, c'est un requin. Ça doit être une race de requin. 4,48 hein, au niveau du poids. On est toujours en Floride hein, pour pêcher dans Fishing Clash. Alors ça pêche tranquillou. Oula, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal avec celui-là. J'ai un peu du mal. Je sais pas quoi m'attendre. En plus, il a beaucoup beaucoup de HP, mais ça n'empêche pas d'enchaîner les combos. Alors là, qu'est-ce que ça va être? Oh, il est beau. J'aime beaucoup. Un petit bar. Ah, c'est délicieux ça, le bar. Donc 1,58 kg. Très bien. Et on va voir un petit peu notre équipement. On va essayer de voir si on peut upgrader un petit peu la canne à pêche. Donc on a nos cannes. Hop. Allons voir ça de plus près. Et non, il faut encore que je débloque. Et c'est pareil au niveau des permis. Il va falloir que je débloque un petit peu plus le jeu pour pouvoir récupérer un peu plus de bonus. Et avoir une meilleure cam aussi également, ce serait vraiment pas mal. Bon, cela dit, le jeu pour l'instant il n'est pas vraiment pay to win, hein, c'est-à-dire que là j'évolue parfaitement dans le jeu, gratuitement, sans rien débourser, et on est sur la première map de Floride, et du coup c'est plutôt plaisant. Allez, on va faire un nouveau lancer, on va un petit peu se concentrer, on va essayer de pêcher quelque chose de sympa. Voilà, hop. On se concentre. Il faut toujours bien doser sur le moulinet pour assommer. Je pense pas qu'il va être ouf celui-là. Je pense qu'il va être banal. On va voir ça tout de suite. Un Vivano Sorb. C'est assez gros quand même. Il faut le dire, assez gros. Et hop, on repart une nouvelle fois. Alors, est-ce que vous avez des astuces pour le jeu Fishing Clash pour pêcher des gros poissons? Je pense qu'il va falloir un petit peu varier les appâts. C'est surtout ça, je pense, qui va faire la différence. Et c'est une belle pièce, en effet, elle est tout beau. Un mérou rouge, qui est rare en plus. Et donc, on a un nouveau record, un nouveau poisson. Bah, c'est la totale directe. Allez, on se fait un dernier lancer avant de se quitter. Si vous voulez, les amis, on se fera une série Fishing Clash. Parce que franchement, c'est l'un des meilleurs jeux de pêche sur mobile, Android et iPhone. Fishing Clash, c'est vraiment la classe, c'est vraiment un des meilleurs. Meilleure simulation de pêche en jeu vidéo. Hop, et là, il est bien gros aussi, un nouveau mérou. Ouais, il est vraiment bien gros, 5,84 kg. Voilà les amis, pour ce petit let's play de Fishing Clash. Donc encore une fois, si vous avez bien avancé dans le jeu, n'hésitez pas à donner vos niveaux dans les commentaires et dire les plus beaux poissons que vous avez pêchés. À très bientôt les amis pour un prochain jeu de pêche.